sortant de chez ma grand-mère, je suis allé au marché acheter des pommes de terre pour me faire de la purée. De retour à la maison, j'ai posé mes commissions sur la table du salon, le temps d'enlever mon blouson. Dès que j'ai eu le dos tourné, une petite patate discrètement a essayé de s'échapper pour se cacher sous le divan. Mais pas de chance, je l'ai vu passer, je suis allé la ramasser. Je lui ai mis une petite fessée, puis je l'ai remise dans son panier. Dans la cuisine, j'ai empoigné mon couteau et j'ai dit aux petites coquines, c'est l'heure de vous faire la peau. D'abord je vais vous éplucher et vous rincer dans l'évier, puis je vous couperai en morceaux et je vous ferai bouillir dans de l'eau. Mais au moment où je l'attrape, voilà que la petite patate me jette un regard suppliant qui me laisse comme deux ronds de flanc. Je repose mon économe, puis je le reprends, car je suis un homme. Je vais quand même pas me laisser faire par une petite pomme de terre. J'ai épluché la bougresse, l'ai rincée à toute vitesse. Elle était tellement petite, même pas de quoi en faire trois frites. Je sais bien que ça peut surprendre, mais j'ai presque cru l'entendre pousser un cri d'épouvante en l'achetant dans l'eau bouillante. Quand j'ai mangé ma purée, elle avait un goût amer, un goût de chagrin mêlé à des larmes de pommes de terre. Depuis cette triste aventure, je ne mange plus jamais de purée pour accompagner mes œufs durs. Je me fais des carottes râpées.